je voudrais lui casser la tête. Les gars, on prend la voiture, on prend la voiture, c'est parti, on prend la voiture, on prend la voiture. Salut internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le savez, jusqu'au 20 septembre, on vous fait gagner une magnifique moto RFZ de la marque Apollo d'une valeur de 1 400 € pour seulement 1 €. Pour participer, c'est simple, il faut vous rendre sur le site futuratech.com. Tous les gens qui mettront 1 € sont susceptibles de gagner la moto. Donc ça veut dire que si tu mets 1 €, le 20 septembre, un huissier tirera une personne au sort pour lui faire remporter la moto. Bien entendu, si tu veux avoir plus de chances de remporter la moto, tu mets plus d'argent, c'est-à-dire que 1 € est égal à une chance, 2 € est égal à 2 chances, 3 €, etc., etc. Tu peux mettre, il n'y a pas de somme limite, d'accord? Donc tout le monde peut jouer, mis à part les mineurs, sauf si vous avez l'autorisation des parents. Mais aujourd'hui, voilà, on fait gagner cette magnifique moto pour 1 € seulement. Et c'est en partenariat avec le site Small MX. La moto est neuve et on fera une vidéo avec l'heureux gagnant. Donc pour participer, tout est dans la description, futuratech.com. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Salut internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de mon frérot Farid Titoun, que vous connaissez déjà. Sa chaîne YouTube, elle s'affiche en dessous. Il nous a trouvé ici, des frères, allez voir ce qu'il fait. C'est de la bombe, on est aussi avec mon frérot Niglo. Niglo, vous le connaissez peut-être pas sur YouTube, mais ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Et il est sur TikTok, vous connaissez le fameux une pas deux. Là, il est là aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on a eu un petit problème. On est devant le magasin qui s'appelle Style Connect, qui est à Avignon, qui est au 305 avenue Jean Monnet. Et ce magasin, il vend des vêtements, mais il rencontre aussi un problème, c'est-à-dire que tout le temps, il y a des personnes qui viennent me racketter, c'est-à-dire qu'en gros, ils demandent de l'argent contre soi-disant de la protection. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça, je pense que c'est du racket. Hein. Ouais, donc, on va aller voir le propriétaire ensemble et il va nous expliquer. C'est ce qui se passe exactement. Les amis, là on est en compagnie de David qui est le propriétaire de ce magasin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, David, qu'est-ce qui se passe ici alors? Ben là, depuis que j'ai ouvert, depuis 2 ans, j'ai des jeunes qui viennent et qui me demandent de l'argent, des trucs, quoi, de l'argent, des habits. Des habits aussi, ouais. D'accord, et c'est quoi leur... Je sais pas, ils viennent en groupe. Ils viennent armés et comment ça se passe? Non, ils mettent des petits coups de pression, ils disent qu'ils sont du village, de la ville. Et... Ok. Ils connaissent tout le monde ici. Si tu donnes pas l'argent, ils te menacent de quoi? Qu'est-ce qu'ils te disent, quoi? Ils vont casser le magasin. D'accord. J'ai déjà une vitre qui a été cassée là devant. D'accord. Je sais pas, je veux pas dire que c'est eux, mais. Et tu leur donnes quoi? Tu leur donnes toute la caisse ou tu... Non, des habits. Gratuitement. Ouais, gratuitement. Ah ouais, c'est bon. Donc ça, toi, tu travailles pour eux en quelque sorte? Un petit peu. Mais t'as pas essayé de voir avec la police ou quoi? Ouais, t'as essayé d'appeler les flics? Je suis pas du genre, tu sais. Je les appelle, t'as les représailles, tu connais. Hein. Ok, ouais. Je les appelle, quand ils se font contacter, ils arrivent, ils crament dans les lèvres. Ils sont un petit travail, ils sont RP. Bon, ils viennent tous les combien à peu près? Ouais, ils viennent tous les jours, tous les jours quasi. Tous les jours? Tous les jours. Okay. Tous les jours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une caméra cachée à un endroit, ok? Ouais. On va te laisser un petit micro et on va voir comment ça se passe le premier jour. Ok. Et après, on interviendra le deuxième jour, okay. Donc là, ils sont pas passés? Non, pas encore. Donc, ils vont passer quoi en fin de journée? Ouais, je pense, ouais, vers 17-18 h. Ok, ben, quand ils vont venir, on va les filmer, on va rester. Tu fais comme d'habitude, tu leur donnes les sous, les habits, machin, etc. Okay. Et quand ils reviendront demain pour les mettre en confiance, demain ils ne s'attendront pas à nous voir. Et quand ils vont nous voir, je pense qu'ils vont descendre d'un étage. Donc voilà, les amis, on va laisser la caméra et on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Franchement, je ne pas trop le temps. Donne! Arrête de poser question, donne! Je m'en bats les donne! Viens qu'on voit la caisse! T'as arrêté, vous êtes venu la dernière fois? Ferme la caisse, on voit la caisse! Oh, je vais appeler la police, c'est pas vous êtes fumé! C'est moi la police, tu comprends pas? Allez, sors! Je m'en bats les donne! Sors, ça va te mettre une coupe de boîte, allez! Appelle, tu sais qui je suis, moi? Problème, c'est quoi dans le magasin? Vas-y, prends! M'en bats les f***, ferme ta f***. On traite de débattre ou encore? Tu veux pas qu'on retourne ton magasin? Vas-y. T'as compris? Ton magasin? Ton magasin, je te casse, c'est pas compris. C'est bon? C'est bon. On fait le commerce, hein? Bon, regarde. Je suis pas pressé avec toi. Je suis pas là pour te coller avec toi. Bon les amis, on est le lendemain, comme vous avez pu le constater sur la vidéo, David s'est fait raqueter quoi en gros. Encore une fois. S'est fait raqueter. Pourtant tu es costaud et tout. Ouais mais après bon.
Après, c'est-à-dire que... Le mec, il a les balles avec une batte dans la main. Pas... Bah, même s'il les casse, en fait. En fait, après, ils vont s'en prendre dans son magasin. Non, voilà, ça fait pas commerce. Fais attention pour ton commerce. Quoi, autre chose. J'ai un point fixe, j'ai un endroit fixe. Mais t'as quand même une bonne réaction, je trouve, tu vois. Parce qu'au final, ça va pas tout de même. Mais le problème, c'est que ça devient une habitude. Ça. Les mecs, ils prennent l'habitude de venir tous les jours. Au début, c'est une fois par mois, ils ont testé. Après, ils sont venus une fois par semaine. Là, ils viennent un peu tous les jours. C'est pas normal, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce qu'on va faire, on va rester dans le magasin. Toi, tu vas faire comme d'habitude avant qu'ils reviennent. On va se cacher. Dès qu'on voit qu'ils sont là, on ferme le magasin. Tu vas leur donner les clés, on ferme. On va rester bloqué avec eux. En espérant qu'ils reviennent seuls ou à deux maximum. Tu vois, histoire qu'on soit 4, que ça soit équilibré, que ça soit contrôlable. On va les laisser faire, ok. Et on va faire en sorte qu'ils recommencent. Donc on va faire quand même attention, on va se cacher, on va rester caché. Et une fois que les mecs ils arrivent, j'espère juste qu'ils vont pas être 50, c'est tout. On va placer les caméras, les amis. Donc là, on est avec le frérot Nigo. On va aller faire, il faut le cacher. Il est caché derrière le petit mannequin. Donc là, on a Farid qui se cache ici. Comme d'habitude, arrêtez ça, sans tu n'as pas compris de hier, en fait. Pas mettre une jambe demande quelque chose. Regarde, les gars. Prends-le. Merde. Vas-y, bloque la porte. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu vas bouger ou quoi? Ah, t'es filmé, mon pote, t'es filmé. Non, mon pote, tu fais ça, tu bouges pas. De quoi? Vas-y, bloque-le. David, bloque-le. Tiens-le, vas-y. Arrête, là, je suis là. Lève encore la main sur lui, je te jure, on te frappe. Bon, là, ce que tu as fait, c'est impardonnable. Je peux te faire comme ça. Ça va, t'es que. Tu as voulu frapper la mauvaise personne. Ah ouais. Je te tente, moi, j'allais faire. Vas-y, ferme. Y'a pas d'autre sortie, David? Non, c'est bon, pas de sortie. Dédi, heureusement qu'il y a des caméras, je te le dis. Si t'as pas les caméras, je te tamponne. Tu as vu ce que tu fais déjà? En plus, tu me lèves la main dessus, je sais pas qui je suis, moi. Bon, je te le dis. On va aller là-bas, tiens. T'as voulu lever la main sur mon collègue, mais dis pas, me touche pas, s'il te plaît. Oh, c'est caméra, je vais plus quoi. Non, tu l'as dit. Tu viens mettre la trique à des commerçants et tout qui sont là, tu viens à deux là. Là maintenant qu'on est quatre, tu vas faire quoi? Si on veut, on t'attrape. Ça va qu'il y a le frérot. Je te le garantis, parce que sinon, je te fais du sale. Tu montes en haut, tu ressors, mon gars, tu toucheras plus jamais un truc de ta caisse, je te le dis. Enfin, quand on appelle les flics ou quoi? Non. David, viens voir. Je vais vous filmer, parce que même alors, je vais dire aux policiers. On va dire ce que t'as fait aux policiers, la caisse. Pourquoi tu viens l'emmerder tous les jours à ce mec? Pourquoi tu viens lui voler de l'argent alors qu'il c'est un travailleur honnête? L'argent facile, en vrai. Moi j'ai pas de sous, je travaille pas. Moi je t'enlève ta chaîne en or là. Moi j'ai un truc à te dire, tu as vu sa carrure? S'il veut, il pourrait te briser en deux. Il pourrait te briser en deux. Le commerçant, il a l'image, tu vois. Il veut pas, tu vois, pour sa boutique, ça, tu comprends pas, il vient travailler tous les matins, tu vois, il a une clientèle à faire tourner, il peut pas avoir une mauvaise image. Mais s'il veut, il prend, il casse en deux. La main en montant en haut, il te met là, il te brise en deux. Tu as vu ta carrière, tu as vu la sienne. C'est un père de famille qui essaie de nourrir ses enfants, et toi, tu vois ce qu'il est en train de... Trois enfants, t'imagines? Non, tu veux juste pas la boutique. À un moment donné, comment on est sûr que tu vas jamais recommencer, bon. Si à un moment donné, on n'appelle pas les filles, comment on fait? Jamais on va savoir que tu vas recommencer. Moi je pense que c'est impardonnable pour appeler les filles. Non. C'est un braquage, hein. Tu braques des merdes, c'est un braquage. J'ai pas armé. C'était quoi que tu avais hier? Je crois que t'as trouvé non plus. T'as vu la montre qui vient de sonner, tu sais ce que c'est? C'est le nombre de temps qu'il doit passer en train de braquer avant. Il doit passer trop de temps dans le magasin. Pour pas se faire. J'ai compris. Non, mais ça va, on les connaît, les. Frérot, c'est... tu viens, tu fais un braquage, toi. Donc c'est pas pardonnable. Je sais même pas quoi te faire. J'aime pas quoi te faire, c'est on va appeler les flics, gros. Pas le choix. Non, oui, ce que vous voulez, mais pas la police. Genre en mode. Attends, gros, quand tu voles, tu sais ce que tu fais? Ouais, mais c'est des risques, mais tu prends un petit détention pas longtemps. Attends, mais il t'a rendu les sous que. Lève la casquette et tout, frère. Il fait du racket, lui. Lève la casquette, lève ta montre aussi. Lève ta montre. Ça, c'est pour toi. Tu le vends ta mère, là. Il a dit que c'était du faux. Là, c'est du faux. Envoie la montre. Ça sera pour le peu de trucs que tu as. C'est de l'or. Tu fais quoi, toi?
Comment ça c'est pas bien non, allez toi frérot, non, c'est pas bien volé. Non, 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 je suis pas d'accord. Le... Ok, tu vas être emmerdé toi. Je t'ai dit, il y a des clients, on va sortir. Parce qu'on peut faire remarquer. Cavale pas dehors, hein. Car parce que j'ai tes images et tout, je balance ton flic. Moi c'est bon, c'est bon. David, je gère les clients normal, t'inquiète. Mais avec lui. C'est que là, on appelle les flics qui retournent au trou direct. Hein. Je pensais venir. Ouais, tu as vu, d'un côté, tu as envie de laisser une chance à ça. Tu vois, c'est juste. Ah, frère, t'es trop gentil. T'es trop gentil. Ça va ? Les gars. Ah, frère, on t'a dit quoi ? Ça sortira ouais. Pas, je te l'ai dit. Ah non, il y a pas de seconde chance. Fais gaffe. Pas de seconde, tu vas pas confiance de quoi. Allez, venons. Les amis, on va faire une petite sentence façon Kamoff. Et on prépare tout et on vous refilme ça juste après. Je pense qu'on va bien rigoler. Hein, un petit courageux, toi. Petit courageux avec une batte de baseball à deux sur un mec qui vient travailler. Petit courageux. Petit courageux, ça se voit, petit courageux. Bien sûr. Ta boucle d'oreille aussi, c'est de l'or. Enlève la boucle d'oreille. Enlève la boucle d'oreille. Tu veux mettre à poil déjà ? Non, on va te mettre à poil pour demain. Vas-y, enlève ta boucle d'oreille. Tu m'as poil les jambes, toi ? Tiens. C'est toujours ça, c'est toujours quelques grammes en plus. Tu revends ça et ça te fera un peu d'argent. Ah oui. On va s'occuper de lui, les amis, et on refilme juste après, sinon ça va être trop long. Allez. Donc voilà, les amis, on a trouvé une petite sentence façon Kamoff, comme on a l'habitude de le faire avec tout le monde. C'est assez drôle, je pense. Et le frérot, il est pas au courant, mais on va quand même appeler la police après. Ouais. Il est juste en haut. L'avantage, c'est que t'as un mannequin supplémentaire, mais vivant, c'est ça. Diablo. Ouais, c'est bon, je me fais plus loin. Tu vas voler encore, hein? Tu vas encore voler? On s'en prend plein. Je vais mourir, là. Bon. On va se laisser attacher ici, ok? Non. On va partir. On va se tailler. Tu vas passer la nuit ici pour que tu comprennes un peu ce que tu as fait. Non, je vais mourir comme ça dans mon air. On va te rappeler les filles. Non, sentez-moi là, je suis ici. C'est impardonnable. Oh. Vous êtes où? Vous êtes où? Oui. Oh, dis-moi. Comment ça va? Rapport plus bien. Comment je vais plus bien? Je suis plus sur moi. Je remercie Nico, donc il était là, le frangin, hein, il a esquivé une belle patate, il a maîtrisé comme il fallait. Merci. C'est caché. Là, ça devient tellement insupportable qu'on va. On va appeler les flics et il va venir le récupérer parce que là. Ah, tu vas la fermer un peu ta gueule. C'est le flic qui va arriver. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Paris Titoun, le TikTok du frangin, du Niglo le vrai, vous le savez, une pas deux. Si vous voulez acheter des méchants habits de qualité originaux, n'hésitez pas à venir chez le frérot à Avignon. L'adresse s'affiche ici et le nom ici, Style Connect. Avignon SAP. Donc voilà, vous pouvez venir quand vous voulez les gars. Et en plus, il y a de l'envoi et il y a le magasin. Donc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites attention à vous, si un jour vous êtes témoin ou victime d'un truc comme ça, d'un racket, des gens qui vous raquettent, n'hésitez pas à appeler la police parce que c'est des choses qui ne doivent pas se passer normalement. Voilà. Grosse dédicace à vous et à mercredi prochain.